Pendant une journée, nous avons suivi La Seine, épicier dans le Val-de-Marne. Nous avons suivi son quotidien et ses employés pour mieux comprendre le métier d'épicier. Bonjour à tous, je m'appelle Lhassan Aïd Bassou, je suis originaire du Maroc, je suis épicier, je suis originaire d'Aït Aïtab. Ma femme s'appelle Fadma Aïd Bassou, elle est originaire d'Aït Bouamran, à côté de Zara Gazir. Voilà, bienvenue dans l'épicerie. Oh, le vidéo! Ah, le vidéo, je suis dans la vidéo. Il y a le Hussein, Youssef Mohamed Ali, Aïd Nasser Ntimoulay, Taman Bizakar, il parle pas très bien français. Alors, le travail ici, c'est propre, c'est 5-5, WW, la condition d'origine. Ouais. Voilà, je suis de Paris, à côté de Saint-Cao. Voilà, il habite à Paris, à Saint-Ouen. Je cherche un appartement, moi. Je cherche un appartement vers Aubervilliers, 4 chemins, ou la place Voltaire. Ah, tu vas être de bon coin, non. Il a cru que c'était de bon coin. Ah, c'est bien ça, c'est la caméra. C'est quelle chaîne? La télévision, c'est quoi? Comme celle qui a la Snirstmezir, à Sakon Koulou, télévision, elle se regarde le fait ça. Ça coûte combien ça? Hein? C'est quoi ça, Renna? Le prix est mobile. Ah, le lapin, c'est bien ça. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit les approcher. Ah non, on mais ça se voit pas là, je chante. Arrête de parler en chouette devant les caméras, merde. Qui manque un joli qui franchement, tonton Hassan, il est gentil. Il veut que je reprenne son affaire, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai une carrière dans la chanson. Vous m'imaginez, moi, me lever à 7h du matin pour vendre des courgettes à des bonnes dames de 65 ans? C'est pas possible. En plus, ces produits, ils les vendent au prix du plutonium. 3,50€ le chewing-gum. Vous avez déjà vu ça? C'est un assassin. Et l'autre, là, le Hussein, c'est un malade mental. Il travaille pour 1200€, il envoie 3000 au bled. Je sais pas comment il fait. Moi, j'arrive à peine à payer mon loyer. Je suis allé au cinéma une seule fois ce mois-ci. Une seule fois. J'en peux plus, il faut que je dégage d'ici. Bonjour monsieur Larsen. Ah bonjour monsieur Muller. Ah ça va bien. Ah il caille alors. Ah il fait pas chaud là. Chez vous il fait toujours chaud, ça fait bien. Ah bientôt la période des giboulées. Ouais. Ah ouais. Exactement monsieur Larsen. On se demandait avec ma femme, vous êtes ouvert de quand à quand en fait? On est de 7h du matin, 4h du matin. Vous dormez quand Larsen? De 4h du matin, 7h du matin. Vous êtes courageux hein. Ah il faut. Il y en a qui ont le sans contact, vous c'est avec contact hein. Ah toujours. 69,30€ monsieur Muller. Non monsieur, deux bouteilles c'est tout. Ah non c'est 69,30€. D'accord. Alors, vous annulez mes vacances au ski, c'est ça? Coquin va hein. Et encore on est l'épicerie la moins chère du quartier hein, monsieur Muller. Oui mais monsieur Larsen, pour ça c'est... Enfin, vous êtes seul en même temps hein. Voilà. Ouais, Nelly. Voilà. Vous voulez un petit sac plastique? Non, il me reste que 70 centimes, monsieur Larsen, ça va pas assez. Ah ouais, non, c'est pas assez. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Muller. Allez, ciao, Muller. Voilà, moi, chaque fois que je rentre chez monsieur Larsen, j'ai la boule au ventre, quoi, c'est trop. 19,90€ le paquet de chips. Ça fait 15 ans que je suis client, il m'a jamais offert un sac plastique. Monsieur Larsen, si vous m'écoutez, un geste, quoi. Larsen! Oh, Larsen! Oh, ouais! Oh! لا بس ما خيزو البطاطا خيزو ما انا ما تاويت والله ما تبيع تسكيرت يا ما غاديش تفركي بروموسيون 2,50€ الكيلو ريغولي سي با شير ريغولي لا الفيديو ريبورتاج هنا نمي تنسى ديجا نعم هي وين وين دوزيام وين دوزيام ما جيت هذا سي فيتور كي خالتي تزري خالتي عمي اسمي ابراهيم اول مره مني غير هاد الكره نسول غير ماتيشان تمازير تما ماتيشان تمازير طغلا اي ما خيزو حتى انت بطاطا كتا زيان اي ما غير دير خشغيد غير والو غير كله عاد فابور والو ها ماتيشا 12,50€ لو كيلو
Et vraiment, on est dans un quartier, tout se passe vraiment bien. Et il y a la confiance. Les clients qui viennent ici, il y a toujours la confiance avec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez du parmesan? Attends, d'accord. Attends. Allez, j'ai moins de nara. Ça coule qui ça? Ah, je suis là, je suis là. Ah, vraiment, les gens, ils nous aiment beaucoup et nous, on aime beaucoup les gens ici. Voilà, ça fait 7-8 ans que j'habite dans le quartier. Donc 7-8 ans que je vais dans cette épicerie. Et à chaque fois que je rentre, je sais pas, je me sens surveillé, je me sens épinglé en fait. Je sais pas ce qui se passe. Et le pire, c'est qu'ils savent pas se cacher le head, gay. Je suis un chuleur. Ça veut dire que je comprends tout ce qu'ils disent. Et quand ils parlent, c'est pas toujours gentil, quoi. Alors voilà, c'est là qu'on a tous les produits. On a une des épiceries les moins chères de la ville. Voilà. Ici, on a les bouteilles, le gâteau. Là, on a les, le fromage. Mais les produits. Ouais. Regarde la date de la crème fraîche. Après, les mines, quoi. Voilà, ici, on a les canettes, le coca, les boissons. Nutella. 9,95, un des moins chers. Et voilà, ça fait 30 ans que je suis là. Franchement, j'ai. Ah, moi, la France m'a bien accueilli. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la France. De toute ma vie, ça fait 35 ans que je suis en France, jamais de problème ni avec les gens, ni avec la police, ni avec les animaux. C'est quoi la paye de nos sicos? Maintenant, il sait parler français. Hein. Oui, mais et voilà, on est très très bien, voilà, c'est bon. Arrêtez de filmer ça. C'est bon, arrête de filmer, hein. C'est bon, allez, dégage de là. Ah, dégage de merde, bon merde, hors la loi. Oh, Khenimiko. Malgré les tensions qui règnent au sein de l'épicerie, la scène à Hit Basso espère continuer à vendre ses produits tout en multipliant les prix par 4 et surtout un jour léguer son épicerie à son neveu Ahmed.